très calme. Il est calé, c'est bien.
Ça, c'est une idée de merde. Oh putain, idée de merde. Les rouleaux là, il y a tant de plus de chance que c'est tombé quoi. Vingt-trois, 822. L'alliage est étrange avec toutes ces petites particules brillantes là. Ah, c'est bizarre. Là, on retrouve le même alliage pour le centre de la couronne. La partie, on va dire aluminium, a l'air d'être retirable assez facilement. Je regarde la doc. On va faire ça pour voir. Qu'est-ce que c'est que cet alliage? Bon, j'ai compté les dents de la couronne, il y en a 39. C'est le truc qui bouge, super.
vais repérer une autre référence là. 33 829. Pour rappel, 23 822. J'arrive pas à sortir ça. Là, on voit la clavette au bout là. Ça, c'est l'axe de la vis sans fin. Normalement, ça devrait venir comme ça vers le haut, mais là, c'est tout bloqué. Est-ce qu'il faudrait un extracteur de genre, je mets une tige filetée. Comme ça. Une ici. Une là. Peut-être les autres. Ouais. Enfin bref. Une ici, une là avec des écrous que je visse pour faire monter cette bague. Enfin, je sais pas. Bon, lui, il est abîmé là. Peut-être plus le faire sur cela. Mettre les écrous, faire monter. Voilà, je sais pas. Parce que si je veux changer le joint spiqué là, faut que je retire ça absolument.